Allez, go, c'est parti, on enchaîne les jeux à gratter en ligne. Donc là, apparemment, c'était Torchat sur les précédents jeux. Donc là, espérons que le jeu Medusa renverse un petit peu la tendance, mais bon, bien sûr, c'est pas évident. Alors, table de paiement, x1, x2, x5, x10, x50, x100, x1000. Les free games, on a trois symboles Medusa. Alors, on va mettre des mises à 10, on part donc avec un pot de départ de 300. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on avait de beau ici? Une troisième pièce aurait fait x10. Les serpents x5. Bon, ben, je pense que ça va peut-être être mal barré. Ça va peut-être encore se terminer à 0. Enfin, tout dépend de ce que le jeu va filer. Mais c'est clair que les précédents jeux à gratter en ligne, c'était un petit peu tendu. Pas grand chose niveau win. Alors x1, premier win de x1, la cacahuète, le lot de consolation. Alors ce symbole là c'était le x2. Alors 250, 50 balles déjà de partie dans ce jeu. Là, je pense que c'est que le début. Alors, sauf retournement de situation, mais c'est vrai que les précédents jeux de grattage c'était pas top. Donc là, on se dit que ça va pas être évident pour finir en bénef. Alors, peut-être un x3. Ah, x7, un x8 si on a un troisième symbole comme ça. Et voilà, x8, 80 balles. Alors, petit bénef de 10 euros actuellement. Rien ici. Alors le x5. Ah, le x10, le x100 s'il sort un troisième symbole comme ça, mais ça faut quand même pas trop rêver. Et on s'arrêtera sur le x5. Alors 40 balles de bénéf par rapport à la balance de départ. Bénéf qui risque de ne pas durer très très longtemps. Alors, retour à la case départ, 300. Alors, la question, est-ce que le free game il va sortir? Alors, toujours rien ici. Alors toujours rien, on a dégringolé à 260. Alors qu'est-ce qu'on aurait de beau ici? Des cacahuètes. Alors x8, 80 balles. Allez, 310. Oh, il a une jolie tête, la Médusa, quand même. Des jolis yeux verts, une jolie tête. Il n'y a que sa coupe de cheveux qui foire un peu. Là, ça craint d'avoir une copine qui a une coupe de cheveux comme ça. Alors, les free games. Pas de free games. Rien du tout. Retour à 300. Alors, x100 si le troisième y sort, 100 fois 10 000, faut pas rêver. Eh ben non, j'avais raison, faut pas rêver. Alors déjà le x2, peut-être le x5 et le x1. D'accord, x7. Allez, on repart en bénéf de 40 balles.
Alors encore le x7, c'est pas mal. Alors là, ça serait tentant éventuellement d'augmenter les mises de temps en temps, mais vu que des fois il y a des très longues séries de grattage perdant, je pense pas que ce soit une très bonne idée. Ce serait vraiment une idée hasardeuse, au bout dans la chance. Ouais, le x100, à chaque fois celui-là on a les deux symboles, mais jamais le troisième. Alors, si on augmentait le prix des tickets, 20 balles. 370, alors on va prendre le risque. C'est peut-être pas une bonne idée. Alors, mise à 20, s'il pouvait sortir des beaux petits trucs, ça nous arrangerait. Alors, 3 x 3, hop, 60 balles. Alors on a déjà le x1, peut-être le x5 si un troisième serpent. Ah ben non, que le x1. Ah, x8. Ok, 160 euros vu que c'est des mises à 20, c'est un petit peu mieux. Alors on monte à 530. Là on va rebaisser les mises à 10 pour un petit moment. Eh ben pourtant j'aurais pas dû. Eh ouais, j'aurais pas dû baisser les mises. Alors là on a fait doublette, on avait commencé à 300, on est à 600, donc 300 euros de bénéf. Alors toujours pas le x100. Je vais faire encore quelques parties à 10 euros. Je vais retenter les parties à 20 euros un petit peu plus tard. Bon, le x100 toujours pas. Allez, go. On fait une retentative sur des mises à 20. Alors, on est à 540 actuellement. Qu'est-ce qui pourrait nous sortir? Ah, le x100, ça serait sympa, mais bon, on va pas rêver. Ah ouais, rien du tout. Alors, les pièces, 1 x 10. Alors, x 10, il y a une troisième pièce. x100, si on a ce symbole-là, mais ça m'étonnerait. Non, rien de tout ça. Alors 1 x 2, 40 balles. Alors x 10 x 50, ça serait sympa si ça pouvait sortir. Bon, on sait très bien que c'est plutôt rare. Alors celui-là c'était le x50. Ok, x50. Qui c'est qui croit au Père Noël? Moi j'ai un petit peu du mal. Ça m'étonnerait que le troisième symbole sorte. Voilà, encore moins celui-là pour le x100. Alors on en redégringolé à 400 balles. Alors x3, 60 euros. Le foin. Franchement, j'aurais préféré qu'il me file un troisième autre symbole. Alors, un intéressant, 420. Alors, x3. Allez, le x2. On monte à 480. Alors
Alors, est-ce qu'on va sortir gagnant de cette session? Parce que ça n'a pas l'air évident avec ces jeux à gratter en ligne. Alors, le x50 ou le x100, ça va peut-être être la bonne. Je crois pas trop, mais bon, on sait jamais. Eh ben non, que dalle. Alors, bien tenter les mises à 20, mais là on a le retournement de situation, ça redégringole. Alors, les free games sur des mises à 20, ça pourrait aussi éventuellement nous arranger. Mais bon, ça c'est un petit peu rare pour avoir les trois symboles. Allez, le x1. Bon, ben voilà, avec des mises à 20 balles, on a bien, enfin, on est bien redescendu. On était monté jusqu'à 600 tout à l'heure. On avait doublé le montant de la balance de départ. Voilà, toujours pas de x50, ce qui est un petit peu logique. Alors, on repart à 300, mise initiale, on reste sur des mises à 20. Bon, ben les jeux à gratter, que ce soit des jeux à gratter en ligne ou des jeux à gratter en carton, je crois que je suis pas très chanceux avec ce genre de jeu. Allez, x3. Alors, on va faire du grattage immédiat. Alors, toujours rien. Voilà, pas de x10, pas de x50. Et ouais, le x2, l'autre consolation. Alors, est-ce qu'on va découvrir un symbole Médusa pour les free games? Si on en découvre un, c'est automatiquement qu'il y a les deux autres. Mais bon, le jeu, il a pas l'air prêt pour les balancer. Alors, balance 220, ça réduit. Et ouais, 1 x 1, on aurait pu avoir 1 x 10, ça aurait été mieux. Alors, le x 3, 60 euros. Rien du tout. Bon, ben là, pour avoir à partir du x10, pour avoir le troisième symbole, ça semble assez complexe, assez rare. Alors, 180 de restant. Bon, je vais rester sur des mises à 20. Si on va voir si on peut faire une remontée. Alors là on se rapproche, c'est le début de la fin. Ok, 140 balles. Alors, est-ce qu'il va nous raquer un petit peu mieux que le x5 sur les parties restantes? Je crois que c'est plus que mal barré.
Ok, toujours rien. Balance restante 120. Bon, mais pas d'espoir. Allez, 100 balles de restant. 5 parties à 20 euros. Ça serait miraculeux de faire une remontée. Alors, un petit x50, un petit x100. Ou un petit free game sans demander le x1000. Bon, bah, les probabilités sont plus que très faibles apparemment. Alors, ici rien. Balance restante 20 balles. Alors, réduit le prix des tickets à 10. Allez, le x1. Bon, ben, le retour en force des jeux à gratter en ligne. Apparemment, c'était torchade sur torchade. Alors, il reste 10 balles. Dernière partie. Alors, un troisième symbole comme ça serait le x50, mais bon, on va pas rêver. Ok, ben voilà, torché complet par le jeu Médusa. Donc, comme je disais, c'est retour en force sur les jeux à gratter en ligne. Là, c'est que des pertes, pertes sur pertes. Bon, on n'a pas eu de bol, on n'a même pas eu un x10 comme multiplicateur, ni de x50, ni de x100, ni de x1000, bien sûr. Et ni de free game. Bon, quand même, on avait doublé la balance de départ un petit moment au cours de cette partie. On était passé de 300 à 600 balles, donc c'est sûr que ça aurait fait un bénéfice. Bon, continuons la partie, hop, ça a tout rebouffé. Direction triple 0 pointé. Ok, ben, ça sera retenté éventuellement un petit peu plus tard, mais bon, quand même, ça fait réfléchir. C'est vrai que c'est pas du tout évident de gagner avec ce genre de jeu, c'est plutôt rare. Et bon, comme tout jeu de casino, on sait très bien que il faut beaucoup de perdants pour payer les quelques heureux gagnants. Et ça, il y a beaucoup moins de regagnants que de malheureux perdants. C'est un petit peu la logique des jeux de casino. Bon, bah sur ce, fin de partie, torchat complet. Donc, on verra pour les prochaines vidéos, pour les prochains tests de jeux suivants, que ce soit de jeux à gratter ou de machines à sous. Espérons que ce soit un petit peu plus généreux. Ce sera pareil, comme d'hab, pile ou face. Au bonheur, la chance.